peau, il a un t-shirt vert, ça se voit. Non, j'ai désigné personne. Donc bonjour, je m'appelle Rémi Forax. Je suis un Parisien. Je pense que vous entendez à l'accent. En fait, c'est vous qui avez un accent, c'est pas moi. Donc, premièrement, bah, c'est gentil de m'avoir invité. J'aime bien Lyon. À chaque fois que j'y vais, je me perds. Non, c'est vrai, il n'y a pas une rue qui correspond à Plan Paris. Donc là, on va parler de 3 ans de ma vie un peu sombre. Moi, je suis rentré dans les trucs de Java parce que bah, j'avais besoin de méthodes qu'il n'y avait pas dedans. Et que Java, c'était open source, c'était pile au moment où ça devenait open source. Alors, c'est pas complètement vrai, j'avais déjà joué avec le compilateur. Parce que comme je suis un académique, on pouvait avoir une licence magique, machin. Mais à partir de 2000... Oh, je crois que c'est 2008, 2006, je sais plus. Enfin bon, Java est devenu open source. Et à partir de ce moment-là, bah, si on veut des choses dans Java, c'est vachement facile. On signe un truc à la con comme quoi Oracle a le droit d'utiliser votre code. Il n'en est pas propriétaire, il a juste le droit de l'utiliser. Et puis on peut mettre toutes les méthodes qu'on veut dedans. Il suffit de persuader les gens que c'est des bonnes méthodes. Des fois, c'est un peu compliqué de persuader les gens. Donc je pense que vous avez tous utilisé des méthodes que j'ai écrites. Entre autres, c'est moi qui ai écrit les strings qui prennent un charset en paramètre qui manquait. Donc en fait, c'est la première contribution que j'ai faite il y a longtemps. C'était pour Java 6. Après, moi, j'ai fait une thèse sur comment implémenter des langages dynamiques sur la machine virtuelle Java. Donc c'était ce que je voulais faire. C'était pour une fois que ma thèse servait à quelqu'un et quelque chose. Donc finalement, j'ai réussi à persuader des gens. Alors j'ai réussi à persuader des gens pour une bonne raison. C'était que c'était au moment où Sun était en train de mourir et que Oracle n'avait pas encore repris. Donc ils acceptaient tout le monde, tout le monde pouvait discuter, de toute façon c'était mort ça. Mais c'est vraiment ça. Hein. Donc on nous a laissé à 3, je crois que j'ai pas le droit de dire qu'on était à 3, introduire un nouveau bytecode dans la machine virtuelle Java. Ça n'avait pas été fait depuis la conception en fait de la machine virtuelle. Historiquement, la façon dont Java a évolué, ça a été en changeant le compilateur. Jamais en changeant la machine virtuelle. Parce que le problème de changer la machine virtuelle, bah, faut que tout le monde se mette d'accord. C'est assez compliqué. Et l'une des grandes révolutions, justement, au moment où Java est devenu open source, bah, c'est que les gens ils ont pu commencer à parler. Les différentes communautés, en fait, il y avait plusieurs communautés, grosses communautés à l'intérieur de Java. Qu'on commençait à se parler et se dire, mais pourquoi on change le compilateur et on s'embête à faire des trucs avec des bridges, des machins. Vous savez, dans les pre-stack traces, les méthodes où il y a moins 1 comme numéro de ligne qui traîne, on ferait mieux de changer la machine virtuelle. Ça irait beaucoup plus vite. Non, c'est pas vrai. Quand on change la machine virtuelle, c'est le pire en termes de développement puisque c'est écrit en C++, les machines virtuelles. Donc on a des projets, c'est de réécrire la machine virtuelle en Java comme ça. À les modifier. Après, le code il est cheaté, c'est à la même vitesse. Donc voilà, la version 7 de Java introduit un nouveau bytecode qui s'appelle invoke dynamique. Vous en avez, je pense, rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là, personne ne l'a utilisé, c'était pour implémenter des langages dynamiques. Donc en fait, si vous l'avez utilisé, si vous avez utilisé Groovy, si vous avez utilisé JRuby, si vous avez utilisé Jython, Python pour Java, là, dans ce cas-là, effectivement, ce bytecode là il était important, mais pour Java c'était pas très important. Jusqu'un peu plus tard, on a voulu introduire les lambdas et qu'en fait quand on crée des lambdas, bah, on utilise aussi invoke dynamique. C'est un truc un peu bizarre, mais finalement le langage Java s'est mis à utiliser aussi des trucs un peu dynamiques. Java, ça a toujours été un langage un petit peu bizarre si on regarde, parce que c'est pas un langage complètement dynamique. Pourtant les classes elles se chargent à la volée, on découvre le... Lorsqu'on lance le programme, en fait, le programme il n'existe pas. On lance une classe qui va charger une classe, qui va charger une classe, et ainsi de suite. Toute la partie chargement est assez dynamique. En fait, quand on regarde, la machine virtuelle, elle est complètement dynamique. Tout simplement parce que la machine virtuelle, c'est... Vous connaissez un truc qui s'appelle Scheme ? Non ?
C'est une sorte de Lisp un peu bizarre. En fait, la machine virtuelle Java, elle vient de là. Elle a légèrement dérivé. Mais quand on regarde à l'intérieur, typiquement, elle est capable de faire des choses extrêmement dynamiques. C'est ce qui nous a permis d'introduire le nouveau bytecode sans trop de heurts. Donc voilà. Donc après, j'ai fait partie donc, des gens qui ont introduit les lambdas. Donc aussi bien au niveau du langage et au niveau de l'API aussi. Parce que c'est un truc qui est marrant, quand on introduit un nouveau truc dans le langage, on commence à se redire, mais où est-ce qu'on va le mettre au niveau de l'API ? Puis là, on relit le code de HMAP et on fait, mais c'est tout pourri. Et pareil pour ArrayList, et donc, il faut les réécrire. Hein. Une fois qu'on a dit c'est tout pourri, c'est bien. Mais si en même temps on ne les réécrit pas, c'est pas drôle. Arrive Java 9. Moi, franchement, je voulais pas faire des modules. C'était pas le truc qui me bottait de faire des modules. Il y a plusieurs trucs qui m'intéressent bien plus. Par exemple, être capable d'écrire la liste int, un chevron int. Ça m'intéresse bien plus. Parce qu'en fait, c'est aussi des trucs dynamiques derrière qui sont un peu cachés. Malheureusement, pour faire ça, faut faire un autre truc avant. Faut faire des modules. Le moment où je suis arrivé dans le projet, en fait, ils avaient déjà fait deux prototypes. Et les deux prototypes, ils ne marchaient pas. Pour des raisons bien différentes. Je vais vous expliquer un peu les diverses raisons. Aussi parce que la communauté Java, elle est un peu grosse. On considère que c'est la première ou deuxième plus grosse communauté, ça dépend par rapport avec PHP. C'est à peu près le même nombre d'utilisateurs. D'accord ? Il y a à peu près 10 millions de développeurs. Donc quand on casse quelque chose, il faut appeler les 10 millions de personnes au téléphone. Désolé. Et le problème des modules, c'est que ça casse des choses. Pourquoi ? Parce que quand on a créé, c'est assez simple à voir, hein, quand on a créé un truc qui était bien monolithique et qu'après on se dit je vais jouer avec les ciseaux dorés pour essayer de couper les choses pour que ça soit propre, ça se passe pas très très bien. D'accord ? Le premier truc monolithique qu'il a fallu couper, c'est le JDK lui-même. Ça s'est pas très très bien passé. Donc ça a pris plusieurs trucs. Mais le gros intérêt, c'est que quand les modules ils sont enfin arrivés, je vais vous expliquer exactement comment. Bon, on avait déjà au moins une grosse application, d'accord, qu'on avait réussi à modulariser, c'est le JDK. Techniquement, en fait, le JDK il a été modularisé lors de Java 8. Techniquement, les modules étaient prévus pour Java 7, puis Java 8, puis Java 9. Pourquoi ? Parce que modulariser le JDK, ça n'a pas été simple. D'accord ? Techniquement, ça s'est fait pendant tout le truc de Java 8. Le truc qui était pas mal, c'est qu'au moment où je suis arrivé, tout le monde en avait marre des modules. Donc tout le monde était prêt à avoir juste ce qu'il faut pour que ça marche. Et c'est vachement bien d'arriver dans un projet quand tous les gens ils sont persuadés que ce qu'il faut, c'est juste ce qu'il faut. Et surtout pas plus, pas de gras. Parce que si on fait du gras, ça va être incompatible avec les autres. Donc de toute façon, on va juste essayer d'avoir le truc le plus petit possible pour qu'on puisse faire des modules. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de modules. Je vais vous expliquer c'est quoi justement ce truc le plus petit possible pour faire des modules. Puis après je vais vous expliquer quand même à quoi ça sert, ou pour moi, qu'est-ce qui est important. Donc je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je m'occupe et du master de l'université. Alors c'est pas moi le responsable, c'est le truc qui est bien. Je m'occupe juste des étudiants. Et au niveau de... On a une école d'ingénieurs qui a collé, qui s'appelle les ZIP. On a besoin de sous, parce qu'on a trop d'étudiants. Actuellement, on peut accueillir jusqu'à 200 étudiants, on en a 240. Je vais venir quand même, c'est pas grave. Donc on en a aussi sur les marches. Donc si vous avez de la taxe d'apprentissage, ça m'intéresse. Voilà, donc... Voilà les trucs que je fais. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est les trucs de Java 10. Si vous êtes sage, peut-être je vous montrerai un petit peu les trucs qui vont arriver. Vous savez que Java 10, c'est en mars prochain. D'accord. On en a marre des releases. Enfin, quand je dis on, là, c'est des développeurs de l'OpenJDK. On en a marre des releases qui font 3 ans, parce qu'on fait un truc il y a 3 ans et puis c'est toujours pas arrivé. Et on est en train d'attendre.
D'accord, j'ai changé la concaténation des chaînes de caractères. On était trois pour le faire. Et pas que moi. Je fais à peu près 20% du coup. Voilà. Pour que ça soit plus rapide. Parce que la concaténation des chaînes de caractères, c'est utilisé une Invoke Dynamin maintenant. Mais par contre, il a bien fallu que j'attende 2 ans et demi, parce que c'était tout au début de Java 9 quand j'ai fait ce truc-là. 2 ans et demi pour que on ait les trucs qui marchent. Donc on fait le truc à l'envers, au lieu d'attendre que la grosse release, elle soit. Enfin, la grosse feature, parce que c'est comme ça que ça marchait avant Java. On avait une grosse feature, les generics, les lambda, ainsi de suite, et on attendait le temps qu'il fallait. Une des raisons qui fait qu'on ne fait pas ça, c'est que les trucs sur lesquels on veut s'attaquer actuellement, c'est des trucs où il n'y a personne qui sait le faire, même en recherche réellement. Donc on sait qu'on est sur des temps de 5-7 ans, donc on ne va pas attendre 5-7 ans avant de faire quelque chose. Donc l'idée, voilà, c'est tous les 6 mois, on fait une release. C'est vachement simple. Tout ce qui est développé au moment où on le fait, enfin, tout ce qui est stable au moment où on le fait, bah, c'est dans la release. Si ce n'est pas stable, on décale. Ça sera dans la release d'après. Je pense que tous les 6 mois, on ne tiendra pas le rythme. On va s'essouffler. Mais il vaut mieux commencer avec un truc rapide, quitte à ce que ça soit un poil moins rapide après, plutôt que le faire dans l'autre sens. Sinon, on va retomber sur les trucs qu'on a. Bien! Alors pourquoi on a besoin des modules? On a quelques légers problèmes avec Java 8. Si j'étais vous, je ne ferais pas tourner Java 8 en production. Ni Java 7, ni Java 6. Alors c'est pas complètement vrai, mais je ne ferais pas tourner mon truc dans un environnement qui n'a pas de notion de container, de façon générale. Il y a ça, hein, le Spring a cette notion-là. Les trucs sont un peu séparés, les différentes applications sont un peu séparées à l'intérieur. Si on fait du Java E, on a aussi cette notion-là. Mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi la plateforme est en feu. Juste un trucage. Il y a trois problèmes. Le problème, c'est que la façon dont les gens font du code en Java et la façon dont la machine virtuelle voit le code en Java, c'est pas la même. Quand on écrit du code, on utilise Maven, Gradle, ils ont un système qui va chercher les dépendances des machins. C'est-à-dire que quand on code son application en réfléchissant en termes de dépendances, qui sont basiquement un arbre qui a des cycles, un DAG. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Lorsque on exécute le code, la machine virtuelle, elle ne sait pas que c'est un machin et ainsi de suite. Ce qu'elle attend, c'est une liste chaînée de jars. C'est ça le ClassPath. Le ClassPath, c'est une liste chaînée de jars. Puis on ouvre le premier jar, ah non, c'est pas celui-là. On ouvre le deuxième jar, ah non, c'est pas celui-là. Et quand on arrive au centième, il y a une centaine de jars en moyenne sur les applications jars. Quand on arrive au centième, ah, c'est le bon. Donc c'est le premier problème, on fait un joli scan linéaire. Donc effectivement, comme Java au début c'était fait pour faire tourner du code sur des cafetières, c'était pas très grave. D'accord. Mais maintenant, non, on a des applications qui sont assez grosses. Donc parcourir les jars comme ça, c'est assez affreux. En fait, il y a un truc qui est bien pire que ça. Il y a un truc qui est bien pire, c'est si on a deux fois le même jar, mais avec des versions différentes. Ça, vous êtes trompé dans votre conf Maven, ça doit pas arriver. Ouais. Ça doit pas arriver. Donc moi ça m'est arrivé, je suis aussi un des développeurs d'un outil qui s'appelle ASM, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour générer du bytecode sans passer par un compilateur. Comme ça on peut faire des trucs marrants. Donc on a quelqu'un qui nous a reporté ce gentil problème là qui est assez marrant. Basiquement il avait une... donne la solution parce que c'est super compliqué à trouver, mais il avait un ClassPath comme ça avec une version d'ASM 2.3 plein de jars et une version 3.1 d'ASM un peu plus tard. La version 3.1, bah, elle est plus récente, elle apporte des trucs, entre autres elle apportait une nouvelle classe qui héritait, d'accord, de classes déjà présentes. Qu'est-ce qui se passe quand je charge cette nouvelle classe? Linéairement, je vais aller chercher, est-ce qu'elle est dans ASM 2.3.jar? Ben non. Est-ce qu'elle est dans ASM 3.1? Oui. Je charge ma classe. Elle hérite d'un truc. Ah, faut que j'aille le chercher aussi. Et je vais le chercher dans ASM 2.3, qui était déjà présent à ce moment-là.
Donc je suis en train d'exécuter du code qui n'a jamais été testé parce que j'étais chercher des bouts du code dans un jar et j'ai hérité de bouts de code dans un autre jar. Oh, vous pouvez faire, ça marche très bien. Enfin, ou ça marche pas très bien. Basiquement, à la compilation, on a un monde qui n'est pas le même qu'à l'exécution. D'accord ? Tout le monde utilise un système de dépendance. Ça fait très longtemps que les gens ils utilisent Maven Gradle, d'accord, Ivy. Ça serait bien que la machine virtuelle elle se mette à jour et qu'elle sache aussi, d'accord, fonctionner avec les systèmes de dépendance. Et que si on est ça, elle dise au moins non au départ quand on lance l'application. L'autre truc, c'est, je pense que ça vous est déjà aussi arrivé en prod, c'est au bout de 3 jours que l'application tourne, on a un no class def found error. Ouais, parce que cette partie de l'application, on ne l'avait jamais exécutée, et le jar, en fait, n'est pas là. Mais on s'en rend compte que 3 jours, 10 jours, 15 jours, quelques mois plus tard. D'accord ? Donc ça serait bien si la machine virtuelle, elle disait au démarrage de l'application, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer l'application. Ça serait chouette. D'accord ? Autre problème, on a l'inverse du problème de JavaScript. En JavaScript, une fonction, c'est un package, un module. En Java, c'est un peu le contraire. Le rt.jar de l'OpenJDK 8, il fait 66 mégas. Je veux dire, c'est pas très très grave, 66 mégas. C'est gros quand même, 66 mégas. Maintenant, pensez, les classes en rt.jar, elles ont un truc un peu particulier. Elles sont un peu spéciales. D'accord ? Elles ont un class loader nul, machin, et ainsi de suite. D'accord ? En fait, c'est les classes privilégiées. C'est-à-dire quand on doit faire un audit de sécurité dans le code, il faut regarder s'il soit 66 mégas de classe. Oh, 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 oh. Bonne blague. D'accord. Guava 20, 2,3 mégas. Pareil. Si j'ai la bonne idée de la mettre dans mon coup de passe-passe, il va falloir que je regarde. Ne serait-ce que l'injection de Spring. L'injection de Spring, c'est ce qui s'appelle Spring Context. Juste pour injecter des trucs. 1,1 mégas. Pourquoi c'est aussi gros? Si on regarde Guava, il y a Guava Collect, Guava Machin, Guava, il y a plein de Guava différents. Pourquoi tout le monde les package en un seul gros jar? Parce que ça évite les problèmes de dépendance d'avoir un seul gros jar. En fait, un seul gros jar, c'est le symptôme en Java que la machine virtuelle ne sait pas gérer les dépendances correctement. C'est ça qui fait qu'on a des gros jars. Bon, maintenant, on va faire tourner ces trucs-là sur... des Raspberry Pi, ben, ça n'a pas bien marché. Même sur le cloud, c'est compliqué. On a le même problème. Sur le cloud, si on rajoute 1 méga dans l'image et qu'on la duplique sur toutes les machines, ben, ça commence à faire beaucoup aussi. Donc finalement, il n'y a pas que l'IoT qui a des problèmes en termes de taille. D'accord ? Exécuter des trucs sur le cloud, si on a plein de machines, on a aussi des problèmes de taille. Donc ça serait bien. Donc le problème de taille, enfin avec le problème de taille vient le problème de la sécurité. J'en ai déjà parlé. Si j'ai un bug dans les parseurs XML, mais que moi je m'en fous parce que je fais du JSON, j'aimerais bien ne pas être obligé de mettre à jour mon application. Parce que de toute façon, j'embarque pas les parseurs XML. Actuellement, avec Java 8, c'est plus actuellement, hein, parce qu'on a Java 9, bientôt 10. On peut pas faire ça avec Java 8. Avec Java 8, on reprend tout le JDK. Si j'ai un bug dans les parseurs XML, il faut que je mette mon truc à jour. D'accord ? On a vu que tout le monde ne le faisait pas. Hein. La démo d'avant, je ne sais pas si vous avez vu, c'était le JDK 8 Update 25. Je ne pense qu'il n'existe plus. Là. Bien. Alors, on savait qu'on avait ce problème de module depuis longtemps. Hein. D'accord ? Moi, je me souviens en avoir entendu parler de ce truc-là. C'était clairement pendant le développement de Java 6. C'est pour ça que c'était un des items de Java 7. D'accord ? Pourquoi ça a pris tant de temps ? Ben c'est vachement simple. Jigsaw, c'est comme un sandwich. C'est coincé au milieu. Parce que on a Maven, Gradle, Ivy, qui sont des systèmes de modules. Ça existe déjà. Si on veut rajouter notre propre système de modules,
faut qu'on soit compatible avec les modules des outils à compile time. Mais il faut aussi qu'on soit compatible avec les systèmes de modules à runtime. Il faut être compatible avec les modules de JBoss, les modules de Java EE, les modules OSGI. D'accord ? Tout le monde sait que la résolution de Maven et de Gradle, elle est différente. Vous avez vu ? Non, peut-être pas, mais elle est différente. Pareil, les modules JBoss et les modules OSGI, ce n'est pas les mêmes. D'accord ? Pourquoi on ne choisit pas de dire bah, les modules Java, c'est les modules OSGI ? Bah, parce que si on dit ça, on se coupe de toutes les autres applications. Le problème du JDK, c'est que c'est une plateforme. La plateforme, elle est censée faire tourner toutes les autres applications autour. Donc, elle ne peut pas décider, je vais prendre un des trucs qui est fait par une application. Si, c'est incompatible avec tous les autres trucs. Donc, en termes d'ingénierie, là, on a un vrai problème. Je suis content de ne pas y avoir, parce que je suis arrivé après. D'accord ? Ils avaient déjà fait la liste de tous les trucs qu'on ne pouvait pas faire. C'est une bonne chose, déjà. La liste de tous les trucs qu'on ne peut pas faire. D'accord ? Qui était, bah, finalement, mon super mon module Jigsaw, là, ça va juste être la tranche de jambon. Là. Ça ne va même pas être le sandwich. Le truc le plus petit possible, le moins épais possible, qui va faire en sorte que j'ai des modules. D'accord ? Et que je puisse monter JBoss, Java EE, et ainsi de suite, par-dessus. Et que je sois compatible avec les modules Maven, les modules Gradle, et ainsi de suite. D'accord ? Entre autres, on a un truc qui est vachement génial, c'est les versions. Comment les trucs ils sont versionnés en Java ? C'est quoi les versions ? Bah, si on regarde, juste, je prends Maven Central. Maven Central, c'est vachement pratique, hein, puisqu'on a tous les trucs open source dedans. Je prends Maven Central, je regarde juste les 1000 jars les plus utilisés. C'est pas beaucoup, hein, jars les plus utilisés. D'accord ? Et je regarde quels sont les trucs de version qu'ils ont. D'accord ? J'ai 17 schémas différents. Il y en a, c'est à la date, à le moment où c'est relisé. Il y en a d'autres, c'est 3 chiffres. Il y en a, c'est des lettres, des chiffres, des machins. D'accord ? En fait, le deuxième prototype, ils ont essayé de faire un truc où on sait que ça rate quand on le dit, qui est, je vais essayer d'avoir une version qui va être capable de gérer tous les types de versions qui existent. D'accord ? Vous savez, j'ai 15 standards, c'est trop, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, oh, si je faisais un 16e standard pour regrouper tous les standards, ça vous rappelle quelque chose ? Bon. Non. C'est super compliqué le problème des versions. Vous savez comment on règle le problème des versions ? On dégage les versions. Alors c'est quoi un module ? C'est quoi exactement un module ? C'est quoi le truc ? Ma tranche de jambon, c'est quoi ? D'accord ? Bah faut bien que je lui donne un nom, c'est la première chose. Donc je vais définir un module. Alors je les ai mis fous comme ça, mais on va garder les noms en reverse DNS. Ça sera org.google.guava, ça sera pas guava le nom. Comme ça, on n'aura pas de collision de nom. D'accord ? Donc j'ai un module, j'ai un nom. Je vais indiquer deux informations. Je vais indiquer ce qu'on appelle les requires. C'est de quoi je dépends. D'accord ? Quels sont les modules que je dois avoir ? Java base, c'est celui qui aura Java Lang Object. Donc ça serait bien que je le laisse bien. D'accord ? Donc je peux faire des requires. L'autre chose que je peux faire, c'est que, en fait, si on regarde les grosses applications, toutes les grosses applications, elles ont des packages qui s'appellent blablabla internal, ou blablabla, t'as pas intérêt à y toucher, sinon tu vas te brûler les mains. Pour le JDK, c'est des classes qui commencent par sum quelque chose ou comme sum quelque chose. D'accord ? Il y a un gros truc qui dit qu'il fallait l'utiliser. Bah, là, on va faire un petit peu mieux. D'accord, on va rajouter un niveau d'encapsulation qui est vachement important en fait, ce niveau d'encapsulation. On va dire mes packages, je vais pouvoir les exporter ou pas. C'est-à-dire tous ceux que je n'ai pas exportés, ils ne seront pas visibles hors du module. Donc mes packages blablabla internal, je ne vais pas les lister au niveau de l'export.
D'accord. Donc ça, c'est vachement important. Ça me permet justement de protéger mes implémentations, mais au niveau d'un package. D'accord. Je vais avoir une meilleure encapsulation. Ça, c'est principalement pour la sécurité. D'accord. Je ne veux pas que tout le monde accède à Sunmisk Unsafe. Parce que comme son nom l'indique, c'est Unsafe. Ça va vous planter à la tronche. Et Unsafe, ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire Unsafe. Bien. Alors techniquement, c'est ce que je vous disais. Le JDK, il a été modularisé. C'est pas tous les modules du JDK. Il y en a plus. Et ça ne tient pas sur les slides. D'accord. J'en ai juste choisi quelques-uns. Donc si je regarde, tout en bas, j'ai Java Base. D'accord, c'est là-dedans qu'il y a Java Utile, Java Lang, les trucs de base. Par exemple, j'ai Java Scripting, Java Logging, Java XML, Java Data Transfer, Java Desktop, c'est Swing. D'accord. Le Swing, il a besoin des parseurs XML. Et le Java SQL, il a besoin aussi des parseurs XML. Pourquoi ? Si on regarde dans l'API, il y a des trucs qui utilisent des objets, des parseurs XML, donc on n'a pas le choix. D'accord. Et donc on a un module Java SE. Si on regarde le module Java SE, lui il n'a pas de classe, il a juste, c'est purement des requires à tous les autres trucs. Donc comme ça vous pouvez dire je dépends de Java SE et j'ai accès à tout le truc. D'accord, ça dépend du niveau de granularité qu'on veut avoir. Bien. L'idée maintenant c'est que j'ai envie de distribuer mes modules. Actuellement, Java 8, comment on fait pour distribuer des trucs ? On crée un jar et on distribue le jar. D'accord ? Alors bien sûr, on ne va pas inventer un nouveau standard, hein, on ne va pas inventer un... je ne sais pas quoi. Ça va rester des jars. D'accord ? Par contre, mes jars, ils vont avoir mon module info, ce que je vous ai montré, la description d'un module, en plus dedans. Donc quand je regarde un jar maintenant... je vais avoir des jars qui sont modulaires, qui vont avoir un module info.class dedans. Le fichier que je vous ai montré avant, c'est le module info.java. D'accord, c'est compilé. C'est un module info.class. Et donc, un jar modulaire, c'est quoi ? C'est juste un jar qui a le module info à l'intérieur. Et donc, la machine virtuelle, pour savoir si c'est un jar modulaire ou pas, elle regarde si j'ai un module info dedans. D'accord, si j'ai pas de module info, c'est que c'est pas un module. C'est ce que je vous disais, on veut que la configuration ça soit la même à la compilation et à l'exécution. Ça veut dire qu'à la compilation, le compilateur va vérifier que le module info il est bon. Par exemple, s'il ne trouve pas un module, il va faire pas trouver le module. D'accord. Et de la même façon, la machine virtuelle ne croit jamais le compilateur. Vous l'avez déjà remarqué, non ? Il n'y a pas le compilateur. Entre autres parce qu'on peut écrire le bytecode à la main. Et donc, la machine virtuelle va aussi vérifier le module info.class, enfin les informations du module info.class. Elle va vérifier en fait que toutes les dépendances et les dépendances de dépendances et ainsi de suite, ça forme un environnement clos. D'accord ? J'ai tous les modules et tous les modules qui dépendent de tous les modules, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'arrive à Java Base. Et bien sûr, ça va vérifier que j'ai Java Base aussi. D'accord ? Donc mes modules, si on regarde, ça forme un graphe acyclique. C'est la même chose qu'avec les modules Maven. Hein. C'est pas un nouveau truc. C'est juste que maintenant, le langage et la machine virtuelle connaissent ça. D'accord ? Normalement, si tout se passe bien, j'ai plus besoin du ClassPass. J'ai plus besoin de mon truc linéaire. Puisque maintenant, je dis j'ai tel module qui dépend de tel autre module. D'accord ? Quand un module il a besoin de classe, comment il fait ? Il va regarder si c'est dans lui, et sinon il va les regarder dans ses dépendances. D'accord ? Tout simplement. Donc on n'a plus besoin de ClassPass, avec le léger problème technique que si en fait, parce que toutes les applications ne sont pas livrées en module là, juste maintenant, là. D'accord ? Donc pour des histoires de compatibilité, on va être dans un mode à la con, où on va avoir des modules dans d'accord ? Mon environnement de module, et des trucs aussi dans le ClassPass. Que ceux-là ne sont pas encore modulaires. Je vous expliquerai exactement comment ça marche. D'accord ? Les histoires de compatibilité. Notez que les histoires de compatibilité, c'est un truc important. Hein.
il y a un truc qui a été vachement important pour la communauté Java, c'est Python 2, Python 3. D'accord ? D'accord, ils ont mis plus de 10 ans, et encore c'est pas fini, il y a encore des trucs en Python 2, pour faire la migration. Clairement, en Java, on ne veut pas ce genre de choses-là. D'accord ? Clairement, en Java, on va essayer d'éviter que si on tourne dans un monde de modules, on oblige que tout soit des modules. Parce que sinon, on sait que ça ne sera jamais vrai. D'accord ? Bien. Donc maintenant, on va d'abord regarder, si je veux faire tourner mon appli en Java 9, pas qu'elle soit modulaire, hein. Je veux juste faire tourner mon appli en Java 9, comment je fais ? D'accord ? Alors, il y a quelques trucs que Java 9 empêche. Le premier, c'est ce qu'on appelle les split packages. Ça empêche d'avoir deux jars différents qui ont le même package. Faut me dire, mais qui fait ça ? Plein de gens. Plein de gens. D'accord ? Ça serait un gros problème de sécurité si on disait n'importe quel module peut rajouter lui-même des packages. Ça veut dire que n'importe qui peut mettre des trucs dans un module déjà existant. D'accord ? Donc, en Java 9, on n'a pas le droit au split package. Alors bien sûr, je sais que vous packagez pas des jars, qu'on a les mêmes packages dans deux jars différents, vous faites des trucs propres. Ça n'empêche que vous avez quand même des dépendances qui, elles, risquent de le faire. D'accord ? Notez qu'un des gros trucs de Java 9 qui est vachement bien, c'est qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, ils utilisaient des dépendances qu'il n'y avait plus personne qui les maintenait. D'accord ? Où il n'y avait qu'un seul développeur sur son truc GitHub. Donc, ils n'arrivaient pas à le joindre. Ce qui revient plus ou moins même. Voilà, un des intérêts d'avoir des modules, c'est quand même qu'on voit mieux les dépendances. L'autre truc de Java 9 qui va faire que vos applications ne marchent pas, d'accord, c'est si vous utilisez des trucs du JDK, des classes comme son machin, ou comme machin, son miss comme save, indiqué. Ça ne va plus marcher, puisque le JDK, lui, il est modularisé maintenant. Donc si le JDK il est modularisé, d'accord, les classes du JDK sont dans des modules. Et ces packages-là, qui sont des packages d'implémentation, ne sont pas visibles de l'extérieur. Notez que c'était vachement important de le faire à ce moment-là. Ça aurait dû être fait bien plus tôt. Pour les gens qui développent l'OpenJDK, le fait de ne pas pouvoir changer quelque chose, de ne pas pouvoir changer une classe, un package, parce qu'il y a plein de gens qui touchent alors qu'ils ne devraient pas, d'accord, c'est un gros, gros problème. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on sait que ça améliorerait vachement les choses. Mais non, parce qu'il y a des couillons qui y accèdent. Là, on n'a plus de problème. D'accord ? On ne peut pas accéder aux packages non exportés. On s'est dit, ouais, mais c'est pas grave, je vais faire de la réflexion, je vais faire un coup de test accessible et ça va marcher. Bah non, ça ne marchera pas non plus. D'accord ? Ah. Donc cet accessible, pour ceux qui sont un petit peu jeunes, qui ne savent pas encore, c'est lorsqu'on fait de la réflexion, on peut lui dire « Ne t'inquiète pas, j'ai quand même envie de changer le champ final. » Et ça marche. Notez que c'est un gros problème, hein, de pouvoir changer les champs finaux en Java. On a plein d'optimisations qu'on ne peut pas faire parce que le JIT ne sait pas si le champ final ne va pas changer. Entre autres, Hibernate fait ça. Hein, donc, on ne peut pas dire « Mais c'est pas grave. » On embête Hibernate. Pour être poli. Donc les sets accessible maintenant vont planter. Alors les sets accessible plantent pas forcément. Ils plantent si jamais on accède à un module et qu'au niveau du module on a dit je ne permets pas les sets accessible. D'accord ? Si on dit tout est ouvert, il n'y a pas de problème, tu peux venir manger, ça marchera comme d'habitude. D'accord ? Autre chose, si on veut un JDK plus petit. Et on voit un JDK plus petit. Il y a quelques packages qui n'avaient strictement rien à faire dans le JDK, genre Corba, genre XML Bind. Enfin, celui-là, vous l'utilisez beaucoup. Hein. D'accord ? Les web services, c'est des trucs de Java E, c'est pas des trucs de Java SE. Ça n'a rien à faire dedans. Donc pour l'instant, ils sont là, mais vous ne pouvez pas les voir par défaut. Il va falloir mettre sur la ligne de commande. En fait, je veux le voir. Mais la prochaine version,
sûrement, alors ce sera pas la prochaine puisqu'on fait tous les trucs tous les 6 mois, sûrement pour les, dans 2 ans, les trucs sont plus accessibles parce qu'ils seront juste plus là. D'accord ? L'autre truc qui fait que les trucs ne marchent pas, c'est que des fois les classes ne sont plus là parce qu'elles ne sont plus là. Enfin, je veux dire. D'accord ? Il y a des classes qui ont été virées. Ce n'est pas des classes des API, hein, ce n'est pas des trucs publics. Mais des classes son machin ou comme son machin, elles n'existent plus. Donc votre application, si elle a été méchante et qu'elle a joué avec ces classes-là, ou les dépendances de votre application, si elles ont été méchantes et qu'elles vont jouer avec ces classes-là, ben ça ne marchera pas. D'accord ? Techniquement, on a plié. Techniquement, ce que je vous ai raconté, c'est faux. Actuellement, avec Java 9, on a un flag qui s'appelle --illegal access pour dire si. Alors, quand les trucs existent encore, je veux quand même accéder aux trucs de Comson, s'ils existent encore. Alors il faut juste des warnings, disant c'est pas bien, bientôt ça va plus marcher. Mais pour l'instant ça marche. Et pareil dans 2 ans. Alors actuellement, donc illegal access, d'accord, on peut lui mettre deny. Deny, ça sera le mode par défaut, ça veut dire boum. D'accord, exception si on essaie de le faire. Mais c'est pas le mode actuel. D'accord, le mode actuel c'est on vous fait un warning. La première fois que vous y accédez, on ne fait plus de warning après. Dans 1 an, on vous fera un warning à chaque fois que vous y accédez. Et dans 2 ans, ça sera denied. D'accord ? Vous êtes prévenus, hein, maintenant. Vous savez ? C'est extrêmement important. Hein. On a pas mal de bugs, si on regarde, de bugs de sécurité qui sont remontés, qui ne sont pas des bugs du JDK, mais qui sont du bug d'autres trucs qui ont accédé à comme machin et montrer des choses qu'ils n'auraient jamais dû montrer. D'accord ? En termes de sécurité ? Alors bien sûr, hein, ça aurait été bien si ça avait été fait dès le départ comme ça. Hein. Quand on rajoute de la sécurité après coup, d'accord, hein, si on a l'habitude de sauter par-dessus les barrières dans le métro et que tout d'un coup, on a des grilles qui arrivent, ça se passe moins bien. Mais c'est pour votre bien. Donc actuellement, au niveau de la ligne de commande, donc je vous ai montré le illegal access, d'accord, pour dire ne t'inquiète pas, gentille machine virtuelle, on est copain-copain, là, j'ai quand même le droit d'accéder, fais-moi juste un warning. D'accord, on a un certain nombre de choses, on va pouvoir faire un add module pour justement lui rajouter les Corba, j'ai besoin de Corba, donc on peut faire un add module Corba en lui disant, effectivement là tu vas le voir dans ce cas-là. Normalement, tu ne les vois pas par défaut, mais on a dit pour 2 ans, on les voyait encore. D'accord. On peut faire des choses un peu... On peut patcher les modules, on peut rajouter du code dans les modules. Alors ça, c'est pour les tests. C'est pas normal. Mais pour les tests, on veut que ça s'exécute pile dans le bon module. D'accord. Enfin, ça dépend des types de tests, hein, mais au moins pour les tests unitaires, on veut ce genre de choses-là. Pareil, si vous accédez à des trucs qui sont pas visibles, vous pouvez toujours faire des add export pour dire bah si moi je veux que ça soit accessible. D'accord ? Vous pouvez faire toujours des add opens pour dire par réflexion je peux quand même y accéder. D'accord ? Add export c'est y accéder directement et add opens c'est par réflexion. Bien. En fait, il y a un truc qui est génial, depuis la version 8 du JDK, il y a un outil qui s'appelle JDET. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas tous les outils qu'il y a dans votre JDK. Il y en a beaucoup, oui. Il y a un truc qui s'appelle --JDK internals. Et vous le passez sur vos jars, il vous dit tous les trucs internals qui ne vont pas marcher en Java 9. Alors, ce n'est pas complètement vrai parce que c'est une analyse statique. D'accord, si vous utilisez des trucs dynamiquement en utilisant la réflexion, bah, on est un peu coincé, on ne les trouvera pas. Mais au moins, vous avez une bonne approche. Alors là, par exemple, je l'ai lancé sur Vertix. Il n'y en a plus, hein, parce que j'ai reporté le bug il y a très longtemps. C'est juste pour vous donner un exemple. D'accord, donc ça vous sort un rapport en disant, là, vous utilisez SunMisc base 64 décodeur, alors que depuis la version 8 du JDK, il y a un truc qui s'appelle JavaTilt base 64.
C'est ce qui est marqué dans le rapport. D'accord. Quand c'est compliqué, vous avez une URL pour cliquer qui vous explique comment ça marche. D'accord. Quand c'est pas juste, je peux remplacer des choses. L'idée, ça a été de dire tout ce qu'on peut remplacer par des API publiques, on va remplacer par des API publiques. D'accord. Si les trucs ne sont pas remplacés par des API publiques, ben on va le laisser pour l'instant et puis on va le remplacer par une API publique quand on y arrivera. Et les trucs, c'est pas facile de les remplacer par des API publiques. D'accord. Donc, vous avez un outil, vous pouvez passer sur votre code, qui va vous dire, actuellement, alors il ne faut pas le passer que sur votre code, il faut passer sur les dépendances aussi. Hein. D'accord. C'est le code et les dépendances. Dès que vous voyez qu'il y a une dépendance qui merde, vous allez sur leur bug tracker et vous reportez le problème. D'accord. C'est comme ça qu'une communauté marche. Si les bugs ne sont pas reportés, bah forcément, ça ne marche pas. À noter que c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Si on regarde, il y a beaucoup de discussions de ce type-là. Au moins sur GitHub. Après, pour les autres, c'est plus dur de suivre. Bien. Maintenant, on fait le truc dans l'autre sens. Supposez que je veuille créer une application et que c'est maintenant. Donc, je peux créer avec des modules. D'accord. Maven marche avec les modules. Gradle marche avec les modules. Eclipse comprend les modules. D'accord, IntelliJ contre les modules. Ouf, tout a été mis à jour. Tout simplement parce qu'il y a eu une personne d'Eclipse, une personne d'IntelliJ, ainsi de suite, qui était dans le groupe d'experts qui travaillaient sur le truc. C'est une bonne façon de faire en sorte que les outils sortent au bon moment. Même si les gens d'Eclipse y râlent, c'est pas gênant. Les gens d'Eclipse y râlent parce qu'ils font des releases tous les ans. Et on les fait chier à faire des releases tous les 6 mois ou n'importe comment. Il faudrait qu'on soit aligné avec eux. Les gens de Google aussi, c'est comme les gens d'Eclipse. Ils pensent qu'ils sont Google, mais non, ils sont dans leur chat. J'arrête de parler sur les gens. Bien. Donc, je vais prendre une petite application. Donc, c'est une application que je me suis écrite. C'est une application qui sait lire des modules info. Donc, soit des modules info.java et des modules info.class. D'accord ? Les deux formats des modules info. Ça, c'est les lire, ça, c'est les écrire. Donc, j'ai fait plusieurs packages. J'en ai un qui s'appelle frumlv module tools main. C'est mon main qui parse la ligne de commande. D'accord. J'en ai un qui s'appelle transform avec un N, qui fait des transformations. Je vais pouvoir rajouter des choses dans mon module info ou retirer des choses dans mon module info. D'accord. Et après, j'ai voulu jouer au truc « je suis balèze ». Donc, j'ai fait un module tools.api, ça c'est mon API, qui permet de lire ou d'écrire des modules info.java.class. D'accord. Et j'ai le internal qui est mon implémentation, d'accord, qui, si c'est des points class, va utiliser ASM pour lire les points class. Et si c'est des modules info.java, ça va utiliser le front-end de Java C. Pas tout Java C, juste la partie qui parse le. Comme ça m'évite de réécrire un parseur, parce que écrire des parseurs, c'est chiant. D'accord. Donc voilà les dépendances que j'ai entre mes packages. Notez que c'est des dépendances de package, je ne parle pas de module. Dépendances de package. Donc j'ai mon main il utilise mon API et mon truc de transformation. Mon API pour lire et écrire, mon truc de transformation pour transformer une fois que j'ai lu le truc avant de réécrire. D'accord. Bien sûr, mon API utilise les trucs internals. Mon truc internal utilise ASM, alors le package d'ASM il s'appelle org.objectWebASM et ça utilise aussi les classes de Java machin, c'est là que je vais trouver mon compilateur. D'accord ? Donc ça c'est les dépendances basiques que j'ai. Maintenant je vais vouloir, puisque c'est une application Java 9, créer mes modules dessus. D'accord ? J'ai 120 façons de le faire. Je peux très bien dire j'ai un module par package. Mais ça va m'en faire beaucoup. D'accord. Je peux dire bah, je les mets tous dans un seul module. On perd un peu l'intérêt d'avoir des modules. Mais c'est une façon comme une autre. J'ai répondu à votre problème, monsieur, j'ai fait un module. D'accord. Donc on va essayer de faire un truc un peu intermédiaire. Donc API internal, ça serait bien que tous les deux ils soient ensemble.
j'ai l'API que je vois et puis j'ai le truc internal qui est... D'accord, mais tous les deux ils font partie d'un même module. Après pour le reste, je peux les laisser un par module, sinon j'aurais pas assez de modules pour ma démonstration. Donc voilà comment j'ai regroupé les modules. Donc mon main et transform, je les mets au même endroit. API internal, je les mets au même endroit. Notez que maintenant mon API, il dépend toujours d'ASM et il dépend plus que de Java Compiler, qui est le module JDK 9. Je ne dépends plus de Java. D'accord ? Je dépends juste du compilateur. J'ai besoin du compilateur. D'accord ? Mon application, par exemple, elle n'aura pas de parseur XML. J'en ai pas besoin. D'accord ? Et tout en bas, j'ai Java base, parce que, voilà, je vous disais, si je n'ai pas Java LangObject, c'est compliqué. Alors, j'ai un petit problème technique. Tous les trucs en rouge, là, c'est soit des modules qui existent, Java base, Java Compiler, c'est des modules qui existent. Les deux autres, j'ai accès au code. D'accord ? Donc, je peux moi-même créer des modules. Celui qui m'embête, c'est Bidule ASM, là, ça, c'est un jar qui existe déjà. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément un module. D'ailleurs, là, je l'ai mis en vert, c'est pas un module. D'accord. Mon module main, si je le définis... Alors, j'ai pas mis... Son vrai nom, c'est pas module tools main. D'accord. Ça doit être FR, UMLV... Enfin, pour moi, c'est... D'accord, l'Université de Marne-la-Vallée en France. C'est en reverse DNS. C'est juste, ça tient pas sur les slides. D'accord. Mais dans la vraie vie, on met les vrais noms. Donc c'est pas module tools main son vrai nom. D'accord ? Ah bah je l'ai mis là. Je l'ai pas mis pour les modules. Ah ! Ça tenait pas sur les slides et je l'ai pas fait partout. J'aurais dû virer partout. D'accord ? Donc mon module main, il va dire qu'il fait un require de Java base, un require de module tools API et qu'il exporte uniquement le main. Un transform, c'est un truc chez moi, j'ai pas forcément besoin que tout le monde le voit. C'est même le contraire en fait, j'ai pas envie que les gens le voient parce qu'ils veulent pas que je le maintienne. D'accord ? La plupart du temps, on veut pas que les gens y regardent les trucs parce que comme ça, on n'a pas besoin de les maintenir. On peut les jeter si on n'a pas envie. Donc pareil, mon truc API, là, il a API internal. D'accord ? Première chose, on voit qu'on va être obligé de faire require Java base à chaque fois. On va peut-être arrêter. D'accord ? Par défaut, il fait le require Java base tout seul. Donc j'ai pas besoin de l'écrire. Forcément les modules ils ont besoin de Java base. D'accord ? À part si votre truc il est vide, il va avoir besoin de Java LangObject. Ok. Quel est le plus gros bug que vous avez avec Maven ? Je parle pas de j'arrive pas à le faire marcher. Je parle quand le truc il marche, quel est le gros bug qu'il y a avec Maven ? Au niveau des dépendances, Maven, il a un problème. C'est pas Maven, en fait, c'est la machine virtuelle, si on y pense bien. En Java 8, en Java 9, il n'y a plus de problème. Ça, normalement, Maven, il sait le gérer. Effectivement, si toi, tu merdes, ou toi, t'as pas compris exactement comment on disait à Maven, parce que c'est un peu des deux, en fait, en général, comment on faisait les choses. Non, non, pas les versions. En fait, quand on dit... avec Maven, moi je dépends de machin et que machin il dépend de truc. Si vous regardez, en fait, techniquement vous avez le droit d'utiliser des classes de trucs dans votre code, ça marche. Par défaut, en Maven, les dépendances elles sont transitives et ça c'est affreux. Bah si, dès qu'on commence à avoir des gros trucs, on va dépendre de... D'accord ? Dès qu'on commence à avoir des arbres, on risque d'avoir une profondeur quand même non négligeable. C'est quoi le log au base 2 de 100? C'est 2 puissance combien qui fait 100? 128 et 7, c'est 6. D'accord, je vais, en règle générale, je vais avoir une profondeur de 6 si mon arbre est à peu près équilibré. 6, ça en ramène des classes à la con. D'accord. Donc par défaut, dans le JDK, j'ai pas ça. Par défaut, dans le JDK, quand je fais un require, je ne vois que les classes du module sur lequel j'ai fait un require. D'accord ?
pour le JDK, les amis de mes amis ne sont pas mes amis. Alors il y a des fois où on le veut quand même, ce truc. Donc en fait, on peut spécifier différents types de require. Quand on a un require par défaut que je vous ai montré. D'accord ? Il n'est pas transitif. Techniquement, on a un autre require, celui qu'on appelle transitive. On rajoute transitive, on met require transitive. D'accord ? Alors c'est pas le transitive en maths, c'est le transitive en informatique. Il est transitif mais qu'une fois. C'est-à-dire, je vais voir les dépendances de celui dont je fais le require. Mais pas après. D'accord ? Alors on a le require statique qui est un petit peu particulier, qui est ces dépendances-là, elles doivent être présentes à la compile, mais pas forcément à l'exécution. Ça, c'est pas très important, sauf si vous vous appelez Spring, et que vous êtes capable de marcher avec la version 7 de Java, la version 8, le machin, et ainsi de suite. D'accord ? Auquel cas, vous compilez avec tout, mais lorsque vous exécutez, il n'y a pas tout qui est là, forcément. Alors, maintenant, comment ça marche, le layout sur le disque ? Bah, le layout sur le disque, vous pouvez utiliser la façon habituelle de faire, qui est de dire je fais un module par projet. Ça marche. C'est idiot maintenant, mais ça marche. Si vous regardez hein, pourquoi Maven il impose un module par projet. Parce que le compilateur il n'a pas de notion de module. Donc si je compile plusieurs trucs ensemble, il ne va pas voir si je fais des liens intermodules auxquels il n'aurait pas le droit. Mais en Java 9 maintenant, le compilateur il sait ce que c'est que les modules et il va vous dire. Mettez si vous faites des conventions internes. D'accord ? Donc en fait, on a deux layouts possibles. Soit on utilise le source pass habituel. Alors, je vous montre les trucs de la ligne de commande, je sais que vous n'utilisez pas, c'est ce que utilise Maven. D'accord ? Dans ce cas-là, un module, un projet Maven. D'accord ? On a un layout multimodule. Dans ce cas-là, on a un projet qui peut contenir plusieurs modules. Donc ça marche avec Java C. Actuellement, ça ne marche pas avec Gradle, ça ne marche pas avec Maven. C'est partie des trucs qu'ils n'ont pas fini de faire. Donc, basiquement, ça ne marche avec personne. Si vous prenez les deux, ils doivent couvrir 95%, même peut-être un peu plus, de tous les trucs qui sont utilisés. Pourquoi on a ce mode-là ? Parce qu'un des gros problèmes de perf de Maven, c'est que quand on compile un module, il va ramener le graphe de dépendance. Ça y est, le truc, il est compilé. Il prend le truc d'après, il ramène le graphe de dépendance. C'est con, j'aurais pu le garder. Ça se trouve, il y a de grandes chances que ça soit pas loin. Mais comme mon compilateur, il comprend pas les modules, je suis obligé de faire ça. Maintenant, si je suis dans un environnement où le compilateur, il comprend les modules, il peut ramener le graphe de toutes les dépendances de tous les trucs. De toute façon, comme il regarde les dépendances au moment où il check si j'ai le droit d'accéder au truc ou pas, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc en fait, ce truc-là, il a été. Là, actuellement, il est utilisé principalement par le JDK. Et ça va beaucoup plus vite à compiler le JDK. Donc il faut que vous embêtiez les gens de Maven pour qu'ils implémentent ce truc-là. Ça fait chier que ça ne soit pas. Bon, je l'ai déjà fait en fait. Au moins pour Maven, ils l'ont mis sur leur roadmap. Gradle, pas encore. D'accord ? Donc lorsqu'on est en multimodule, comment ça marche ? Bah dans mon src main java, je vais rajouter un répertoire en intermédiaire qui est le nom de mon module. Attention, les noms des modules ils peuvent avoir plusieurs points. Donc je vais avoir un nom de répertoire qui a plusieurs points. Mais comme plus personne n'utilise Windows 3.1, ça devrait aller. D'accord ? La module tools.main, c'est pas des slash. C'est juste le nom du truc. D'accord ? Donc je peux avoir plusieurs modules à l'intérieur d'un src main java. Pour java C, ça marche. Ça marche sans problème. D'accord ? Donc voilà comment on compile. Maintenant, comment on crée un module ? Bah, une fois qu'on a compilé, on fait juste jar. Et oh, magie, ça crée un module. Je vous ai dit, la seule différence entre un module et pas un module, c'est le fait qu'on ait le module-info.java. D'accord ? À la racine des packages. Techniquement, on peut rajouter plusieurs informations au niveau du jar. On peut lui rajouter une notion de version. Alors, je vous ai dit, mais la version, on n'en tient pas compte. Oui. Mais par contre, on peut la rajouter en tant que métadonnée. Après, vos frameworks au-dessus peuvent demander quelle est la version du module et faire des choses.
Donc vous pouvez propager la version. Le JDK s'en fout, mais vous, vous êtes capable de propager la version. D'accord. Donc c'est ce que fait actuellement Maven ou Gradle. Ils propagent les versions qu'ils ont. Si je demande au module, je vois bien la version. C'est pas... Quand j'ai dit que c'était... Il y a un endroit où on le voit, c'est dans les stack trace. Si vous regardez les stack trace, ils vous indiquent plus uniquement le nom du module, ils vous indiquent la version avec. Ce qui est vachement pratique. Non ? Personne débug des trucs des clients qui arrivent et, hein, ou des erreurs de log et ça arrive juste comme ça. L'autre chose qu'on peut mettre, c'est par exemple quelle est la classe main. D'accord ? En fait, on n'a plus besoin du fichier manifeste. Ou plutôt, le fichier manifeste, ça doit être que des métadatas qui ne sont pas utilisés par la VM. Maintenant, pour la VM, on peut utiliser ces trucs-là. Alors, comment ça marche ? Quand on spécifie ces trucs-là, il fait un truc, le jar fait un truc affreux. Il ouvre le module info.class et il rajoute des trucs dedans. D'accord ? C'est pas très beau. Ça marche. Mais ça veut dire que finalement, mon module info.class, si je regarde, je vais avoir des informations que vous allez écrire. Je vais avoir des informations calculées par le compilateur. Je vous ai dit, on exporte que les packages qu'on a envie. Bah, le compilateur, il rajoute aussi tous les packages qui ne sont pas exportés. D'accord, dans la liste. Et après, bah, quand on utilise jar, on peut aussi rajouter des méta-informations. Notez, je ne vous ai pas dit un truc aussi, on a le droit de mettre des annotations sur les modules, si vous voulez. Si vous voulez rajouter des métadonnées. Sur le module, c'est comme un enum, une classe, un machin, on peut mettre des annotations. Parce qu'en Java, on peut mettre des annotations sur jar. On peut le mettre que sur les modules, on ne peut pas mettre sur les directives en dessous. Maintenant, comment ça marche ? Je vous disais, on a vachement peur de l'effet Python 2, Python 3. Donc comment on va faire pour que actuellement on puisse utiliser le JDK 9, qu'on puisse même avoir une partie de votre application qui est sous forme de module, mais qu'on ait des dépendances qui ne soient pas des modules et que ça marche quand même. D'accord ? Premièrement, on va voir quel est le problème. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire dans mon module tools.api ici, c'est faire un gentil require ASM. Mais j'ai un problème parce que lui il ne contient pas un module-info.class, donc il ne sait même pas quel est son nom. D'accord ? Donc c'est compliqué. Mais si je n'ai pas ça, ça veut dire que je ne peux pas développer des applications Java 9 maintenant. Je ne parle pas des anciennes applications, hein, même juste des nouvelles applications. D'accord ? Donc il me faut absolument un moyen de résoudre ce truc-là. Alors ce que je peux dire, c'est pas grave, je mets tous ces trucs-là, je vais les mettre en disant ça, c'est des modules, d'accord ? Et mon ASM, je vais dire, ça c'est dans le classpath. Si je fais ça, ça marche pas. D'accord ? Pourquoi ? Bah parce que mon module, il va pas aller regarder ce qu'il y a dans le classpath. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas pur, mon module. Il a des dépendances cachées, s'il est capable de voir les trucs du classpath. Donc, on est en train de pourrir les modules, si on permet de faire ça. Donc, on ne peut pas faire ça. Non, l'idée, c'est d'essayer de le faire dans l'autre sens. D'accord ? Si on regarde en termes de dessin, on a deux choses. On a les modules pass, qui sont les trucs qu'on peut accéder. En fait, quand je vais aller chercher des modules, je vais aller chercher dans le module pass. C'est la même chose que le classpath. Non, il y a une grosse différence, c'est des répertoires et ça prend tous les jars qui sont à l'intérieur du répertoire. D'accord ? Alors ça ne les prend pas tous techniquement. Puisqu'il suit les dépendances, il sait quels sont les noms des choses et donc il va juste aller prendre les jars qui l'intéressent. Pas l'ensemble de tous les jars. D'accord ? Donc dans mon module pass, je vais avoir l'ensemble de mes modules. D'accord ? Ici, mon module pass, il va être basiquement composé de deux répertoires. Le répertoire de l'application et le répertoire dans lequel je vais trouver les jars du JDK. Ok ? Comme je vous disais, mon classpath, s'il contient mon asm.jar ici, mes modules ne peuvent pas aller voir mon asm.jar. Sinon, ça veut dire qu'ils ont une dépendance vers quelque chose qui est inconnu. D'accord ? Donc, ce n'est pas des vrais modules. Les vrais modules, ils sont censés lister toutes les dépendances. Ils sont censés être propres. D'accord ? Notez que par contre, dans l'autre sens, le code du classpath, il voit bien les modules.
Ça, ça pose pas de problème. Notez que si on n'a pas ça, on ne peut pas lancer les applications sur Java 9. Hein. Java 9, le JDK, il est modulaire. Donc même si vous, vous utilisez le ClassPass encore, d'accord, il faut qu'il soit capable de voir les modules. Donc le chemin dans ce sens-là, il est normal. Bien, alors comment on fait quand on a... Si on ne peut pas faire la dépendance dans ce sens-là, comment on fait? Bon, on prend le truc et on le monte. Donc l'idée, ça va être de dire... On va créer ce qu'on appelle des modules automatiques. Alors c'est quoi des modules automatiques? C'est un truc qui était un jar, mais on va dire non, application, je veux le voir comme un module. Et machine virtuelle, démerde-toi pour le montrer comme un module. Alors il y a une partie de démerde-toi qui est facile. La machine virtuelle, elle peut prendre le jar et dire je regarde tous les packages qu'il y a et je les exporte tous. Ça va marcher. D'accord, c'est un mode de compatibilité, hein, donc c'est pas grave, on exporte tout. D'accord. De toute façon, c'est ce que ça faisait avant le ClassPass. Ça montrait tout à tout le monde. Donc c'est pas pire. Si je vois mon jar dans le module pass et qu'il est considéré comme un module, alors les autres modules peuvent le voir. Donc mes requires, ils vont marcher, j'aurai pas de problème. D'accord. Il faut que j'ai une façon de transformer mon jar en un module. D'accord. Moi, en tant qu'utilisateur, je le mets dans le module pass. C'est en ça où je dis maintenant. C'est un module. D'accord ? Et la machine virtuelle de l'autre côté, elle crée ce qu'on appelle un module automatique qui consiste à aller dire basiquement pour le require, c'est compliqué. Techniquement, elle va faire un require de tous les autres modules automatiques. D'accord ? Le plus gros problème, c'est quoi le nom ? On donne le truc. Il n'y a pas de nom dedans. C'est 3 mois de discussion, le nom. Pour vous donner une idée du truc. C'est ce qui a fait... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu un vote en disant non, ça ne marche pas. Je vais expliquer exactement pourquoi. Comment on fait pour trouver le nom? On peut utiliser une technique vachement simple. On prend le nom du jar... On vire les versions et hop, c'est le nom. Ça marche pas très bien avec Maven, hein, si on regarde. On n'a pas l'artifact ID, machin, et ainsi de suite dans le nom du jar, hein, avec Maven. Donc, comment on fait pour nommer un module automatique? En fait, c'est vachement simple. On va demander aux gens de rajouter un truc dans le manifeste. Même s'ils ne veulent pas publier leur truc sous forme de module, on va leur demander juste de réserver un nom. Et comme ça, la machine virtuelle, si elle voit le jar, elle pourra automatiquement prendre le nom correspondant. Donc on a une propriété qui s'appelle automatic module name. Si vous la mettez dans votre manifeste, alors automatiquement, dans les manifestes des jars que vous créez, alors automatiquement, ces jars-là sont vus comme des modules. D'accord ? C'est l'étape 0,1 de ma migration vers des modules. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, migrer vers des modules. D'accord ? C'est très compliqué, on pourra en reparler après. Mais au moins faire ça, qui est de dire... D'accord ? Si vous êtes responsable de modules qui traînent sur Maven, enfin de jars qui traînent sur Maven Central, ça serait bien qu'ils aient dans leur manifeste un truc qui s'appelle Automatic Module Name. Donc en fait, il y a une sorte de fait. Donc là, j'ai juste fait une recherche sur GitHub juste dans le train en arrivant. D'accord ? On a plein de gens qui disent « Oh, ça serait bien de rajouter Automatic Module Name dans le manifeste. » Comme ça, ça marchera avec Java 9. Techniquement, si ce n'est pas rajouté, vous pouvez toujours utiliser le nom du jar. Si j'étais vous, je renommerais le jar. Avant. Il y a un module de Maven qui fait ça. Qui renomme le jar avant, comme ça il a un vrai nom. Au nom que vous supposez qu'il sera prêt à utiliser comme étant le bon. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas à jour leur jar. Donc, il faut bien qu'on trouve un moyen. D'accord ?
Donc voilà comment s'en tire. C'est pas le truc le plus beau, hein. Mais c'est un mode de migration. Les trucs de migration, c'est jamais très beau. Le gros intérêt, c'est qu'il y a plein de librairies que vous utilisez déjà, qui ont déjà joué le jeu. D'accord ? Dans le premier mois, au moins moi, toutes les librairies que j'utilisais, elles ont joué le jeu. Aussi parce que j'ai été engueuler les gens en leur disant ça serait bien de le rajouter. C'est pas engueuler, on met juste un beau commentaire sur. Plutôt que de râler au coin café en disant « Oh, ces couillons, ils ont pas mis le... » Juste aller dans le truc d'issue, là, et juste rajouter. Ça serait bien de... Voire même, faire le pull request qui va bien. Ou le merge request, des Pokémonsoft, vous utilisez. D'accord ? Et donc, si on fait ça, oh magie, ça marche. D'accord ? Si... Basiquement, je prends mon sm.jar et je le mets directement dans mon module pass. Maintenant, comment je lance mon programme ? Ben, mon programme, je peux toujours le lancer en faisant un java-classpass et je mets tous les jars dedans, ça marche toujours. Parce que même mon jar modulaire, les modules que moi j'ai créés, finalement c'est juste des jars qui ont un module info. Donc ça marche, mes jars modulaires marchent aussi avec les anciennes versions. D'accord ? Que ce soit Maven ou Gradle, ils sont capables de faire ça, de dire je compile le code en Java 8, mais je mets un module info en Java 9 dedans. Et ça marche, parce que la machine virtuelle 1.8, elle ne va pas aller lire le module info. Donc ça marche. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ils pouvaient, étape 2, après l'étape d'avoir mis le nom dans le manifeste, étape 2, vous pouvez... juste créer vos modules tout en étant compatible avec les anciennes versions de Java. D'accord ? Alors bien sûr, l'intérêt c'est que je peux exécuter mon code juste en disant bah voilà mon module pass. D'accord ? Donc mon module pass c'est quoi ? Donc Artifact c'est là où j'ai les modules que j'ai créés et Depth c'est les dépendances, c'est là où j'ai mon sm.jar. D'accord ? Donc dans mon module pass, j'ai l'ensemble de tous les jars, qu'ils soient des vrais modules, ou qu'ils soient maintenant, je veux les considérer comme des modules automatiques. Et pour démarrer, je lui donne le module de départ. Le module de départ sert à deux choses. Il sert à trouver le main. D'accord ? Un module, on va lui indiquer quel est son main. Et le module de départ sert aussi à trouver toutes les dépendances, faire les trucs correspondants. D'accord ? Lorsqu'on démarre la machine virtuelle, notez qu'on a un check en plus maintenant. Puisqu'il va valider que le graphe de dépendance est correct. La machine virtuelle ne démarrera pas si le graphe de dépendance n'est pas correct. D'accord ? Donc Java 9, c'est plus lent que Java 8 au démarrage. Il faut vérifier. On va voir comment on fait pour ne pas vérifier. D'accord ? Maintenant, si je reviens sur mon découpage de tout à l'heure, j'avais mis module... Enfin, mes deux packages API et IMP, je les avais mis tous les deux dans le même module. J'ai senti, il y en a qui disaient « Oh, c'est pas bien de faire ça. On a mieux les séparer. » Attention, si on les sépare, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir accéder à mon implémentation tout seul, sans passer par l'API. Ce qui n'est pas non plus forcément ce que je veux. Pourquoi ? Parce que maintenant, pour que mon API elle puisse accéder à mon implémentation, il faut qu'elle voit les packages. Faut qu'elle voit le package internal. D'accord ? Si mon API, elle veut accéder à mon implémentation, je suis obligé de rajouter un export là, pour lui dire API, tu peux voir l'implémentation. Alors, on a une façon de faire ça pour que ça... on ait une meilleure encapsulation, on va pouvoir dire moi, Imple, je vais exporter internal, mais seulement à API. C'est-à-dire on va pouvoir dire je veux bien exporter mes packages mais que à certains modules et pas à tout le monde. Entre autres à des modules de ma même boîte à moi. Je me fais confiance quand c'est dans la même boîte mais pas à les autres. D'accord ? Donc au niveau d'un export, on a ce qu'on appelle un export restreint. On écrit tout et séparé par des virgules. Quels sont les modules à qui on veut exporter les choses ? D'accord ?
Techniquement, c'est comme ça que le JDK fait pour dire je vais t'exporter des choses à toi, qui sont des choses privées, mais je veux pas que tout le monde le voie. Je veux que les modules du JDK le voient, ou plutôt que certains modules du JDK le voient. L'intérêt de lister tous les modules, d'accord, c'est qu'en termes de sécurité, on sait tous les modules qu'on doit vérifier. Si on exporte les trucs dangereux, mais qu'il y a certains modules, ces modules-là deviennent aussi dangereux. D'accord ? Mais on a quelle est la surface d'attaque possible. On définit clairement quelle est la surface d'attaque possible. Donc c'est ce qui a été fait pour SunMiskunSafe. Donc SunMiskunSafe, c'est donc une classe qui a été rajoutée. J'ai demandé au mec qui l'a créé pourquoi il l'avait créé. Comme ça, je sais. Parce que ça a été créé lors de la version 4 de la machine. J'étais pas là, c'est normal. Donc, ça a été créé pour que le pont entre. C'est pour les byte buffers en fait que ça a été créé. Pour que lorsqu'un byte buffer puisse accéder à des trucs, il ne soit pas obligé de passer par la machine virtuelle et que ça soit lent. D'accord ? Quand on accède à des données dans un truc qui ressemble à un tableau, on voulait que ça soit rapide. Donc ça a commencé comme ça. Donc pour Java 9, en fait, on a maintenant deux zones safe. On en a un qui s'appelle SunMiskunSafe et on en a un qui s'appelle JDK Internal MISC. Pourquoi ? Parce que le JDK Internal MISC, il est exporté que un certain nombre de packages. SunMiskunSafe, lui, il reste toujours parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent et surtout des gens qui ont fait leur business là-dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé comment Cassandra, par exemple, marchait. Mais Cassandra, ça utilise SunMiskunSafe parce que ça vous permet d'accéder à des données on-heap ou off-heap de la même façon. Donc, on ne va pas dire aux gens de Cassandra. Notez que si on flingue Cassandra, vous n'avez plus Netflix non plus. Hein. Apple non plus. Les deux plus gros consommateurs de Cassandra, c'est Apple et Netflix. Oui, parce qu'il faut savoir que de votre iPhone, là, quand vous tapez sur des services, ils sont écrits en Java. C'est vrai. Donc, comment ça marche? Le SunMisk a été en fait dupliqué. On a le JDK Internal MISC, d'accord, qui est là, puisque c'est un export restreint. Il n'y a que certaines classes du JDK qui y ont accès. D'accord. Et pour SunMisk, bah, tout ce qui n'a pas de remplacement au moment de Java 9, ça a été laissé dans SunMisk. Dès qu'il y a eu une API publique de remplacement, ça a été viré, d'accord, de SunMiskunSafe. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on n'ait plus rien dedans. Notez que SunMisk, il était mis dans son propre module tout seul. D'accord. Comme ça, c'est vachement facile quand on regarde la configuration de voir s'il y a un couillon qui utilise unsafe ou pas. Et puis, ça fait toujours rire les gens si vous voulez dépendre. Vous voulez créer votre propre module qui dépend, vous allez être obligé de faire un require JDK unsupported. Mais pensez que SunMisk est aussi présent sur Android. Ça vous donne une idée, d'accord, de l'utilisation. Donc ça va prendre un certain temps pour que les trucs soient enlevés petit à petit. Bien. La deep réflexion. En fait, en Java, on a plus ou moins deux sortes de réflexion. On a la réflexion qui consiste à dire je vais chercher toutes les méthodes publiques pour appeler. JUnit fait ça, hein, j'appelle toutes les méthodes publiques. Si vous avez été gentil, que vous avez mis des méthodes publiques, normalement vous êtes censé faire ça, hein, les méthodes publiques pour le test. Vous n'avez pas regardé. Normalement, elles sont publiques. D'accord ? Ça, c'est de la réflexion normale. Aller chercher toutes les méthodes publiques, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. D'accord ? Par contre, changer les champs finales, accéder aux membres privés, vous savez le truc, normalement on dit, on met pas les trucs en public, comme ça on peut les changer. Non, c'est un couillon qui accède par réflexion aux trucs privés, ça va pas, il est vrai. D'accord. Donc par défaut, lorsqu'on crée un module, si vous créez un module, par défaut, cet accessible marche pas. D'accord. Si vous voulez donner la possibilité à l'utilisateur
de faire de la réflexion profonde, d'accord, de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire, il faut explicitement soit ouvrir le package, soit carrément ouvrir le module. Notez que par défaut, les modules automatiques sont ouverts. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en train de jouer actuellement avec Jackson, par exemple, pour générer du JSON sur vos objets, d'accord, vous êtes censé ouvrir le package qui contient les classes que Jackson pourra utiliser. D'accord. Notez que c'est une des façons de faire. Si vous êtes dans un container, comme c'est le container qui va créer les modules, le container il a le droit d'ouvrir les trucs aussi. Le open, il peut être fait à deux niveaux. Il peut être fait soit au niveau de l'utilisateur, qui fait lui-même un open, mais la personne qui crée les modules, d'accord, peut a des droits supplémentaires et peut lui ouvrir les choses. Donc c'est pas possible avec les modules d'une application, mais avec des modules qui sont chargés par un container, c'est possible aussi. D'accord. Ça veut dire que si vous utilisez des API type Java EE, il y a de grandes chances que les trucs soient ouverts par le container. Comme ça, vos applications continuent à marcher. Donc, ne m'envoyez pas un mail en disant « Mais pourquoi ça marche quand même ?» C'est le container qui est ouvert. J'ai pas dit que la spec du container était bien. Mais si vous lisez plein de specs, il y a plein de specs qui vous permettent d'accéder aux trucs privés, machin, etc. Autre chose, si on regarde le graphe de dépendance, on n'a pas le droit d'avoir de cycle. Ça vous paraît logique? De toute façon, Maven n'y permet pas les cycles non plus. Techniquement, on peut avoir des cycles, il suffit de compiler des bouts à des moments différents. On arrive à avoir des cycles. Si on change de pomme entre. Donc ça peut. Bon. Disons qu'on ne peut pas faire de cycle. Mais il y a certaines fois où on aimerait bien avoir des sortes de dépendances un peu cycliques. On l'a par exemple avec les drivers JDBC. J'ai des drivers JDBC qui implémentent une certaine interface. L'interface, elle est dans Java SQL. D'accord ? Mon driver MySQL, Postgres, ainsi de suite, ils ont leur propre truc, on va dire, dans des modules différents. D'accord ? Donc j'ai une dépendance de l'implémentation de mon driver, enfin du module qui implémente mon driver, vers Java SQL. Mais si vous regardez, dans Java SQL, j'ai aussi une super méthode qui est « Donne-moi tous les drivers qui existent. » Ah, comment elle fait celle-là? Ben, c'est une dépendance dans l'autre sens. D'accord? Donc là, j'ai un léger problème de dépendance circulaire. Comment on résout les problèmes de dépendance circulaire? C'est pas les proxys, la réponse. Non, c'est pas ça. On le fait à runtime, la plupart du temps. On fait pas une dépendance. On va dire que la dépendance principale, c'est de l'implémentation vers l'interface. Et si je veux lister toutes les implémentations d'un truc, ben je vais dynamiquement aller demander toutes les implémentations. C'est ce qui existe déjà. Hein. Vous connaissez tous dans Java Util la classe qui fait ça. C'est dans Java Util, hein. Je vous montre pas un truc. Les SPI, mais comment elle s'appelle la classe? C'est un service loader. Ouais. Tous les SPI utilisent un service loader. Java Util service loader. Donc avec les modules, on peut faire exactement la même chose. Si je reprends mon exemple de module tools, dans module tools, j'ai une API, et mon API, elle indique, elle est capable de lister l'ensemble, alors j'appelle ça des inputs. Les inputs, c'est les trucs qui sont capables de lire quelque chose. Donc je peux lire mon module sous forme de classe, ou je peux lire mon module sous forme de source. D'accord ? Ces classes-là, c'est de l'implémentation, dans un module d'implémentation, tandis que mon API, elle définit l'interface, mon module input, et elle définit aussi une méthode qui permet de lister toutes les implémentations. Ah, c'est la même chose que le driver SQL que je vous indiquais. Notez que j'ai mis une méthode statique dans une interface, on a le droit maintenant. Ça pose pas de problème. Plutôt qu'avoir une classe qui finit par un S. Vous savez, on la cherche toujours, on ne sait pas où elle est. Donc comment ça marche ? D'accord, j'ai mon interface qui va définir mon module input, j'ai mon implémentation, qui est la classe qui implémente module input, et j'ai mon usage, qui est comment je fais pour lister l'ensemble de toutes les implémentations. Bah, je fais un service loader.load, mon interface, et puis après, bah, j'ai une méthode stream, et ça va m'envoyer les streams de tous les trucs. Enfin, je peux avoir un itérateur aussi. Comment ça marche? Au niveau des modules,
au niveau de mon module info, on va définir une directive qui s'appelle provide, où on va dire telle classe de mon module implémente telle interface. Alors, c'est pas que implémenter, c'est en plus ça peut être visible de l'extérieur. D'accord ? Donc, dans mon module tools service ici, là j'ai sorti mes implémentations et je vais dire ah, au fait, moi je fournis pour l'interface API module input une implémentation qui s'appelle source module input. D'accord ? Je suis. Moi, mon module, il a une implémentation d'une interface particulière. Donc, bien sûr, il fait aussi un require du module tools.api. Il va aussi dire, bah, faut que je vois au moins l'interface. Notez aussi autre chose, pour des questions de sécurité, mon module API, c'est lui qui utilise le service loader. D'accord ? Il va falloir que je déclare au niveau du module, ah, au fait, j'utilise le service loader. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand on va checker la configuration, on va regarder qu'il n'y a pas un couillon qui a oublié un driver JDBC. C'est facile, si on voit un use et qu'on n'a pas d'implémentation, c'est qu'il y a un truc. Donc techniquement, le use n'est pas strictement nécessaire, ça pourrait marcher sans le use, mais le use, ça vous permet de garantir, ça permet à la machine virtuelle de garantir qu'au démarrage, on aura bien des choses qui seront là. Bien, donc maintenant c'est tout, hein. Il n'y a pas plus sur le système de modules. On va se voir maintenant à quoi ça sert, le système de modules. Donc la première chose, en Java on a un gros problème si on veut gérer, avoir du code natif. J'aimerais bien avoir du code natif pour mon code. Si je déploie les trucs sur un container genre Docker, je sais quelle est ma target. Pourrais générer directement pour ma target. Ça serait intéressant. Notez que le code natif, la plupart du temps, il ira plus lentement que le code normal. Vous savez ça, hein. Les JIT, ils regardent les valeurs à runtime des choses. Ils ont plus d'informations que la compile time. D'accord ? Mais par contre, ça démarrera plus vite. Le code natif, il démarre plus vite la plupart du temps. L'autre truc, c'est que c'est aussi stable. Un des gros problèmes des JIT, c'est qu'entre le moment où on interprète et le moment où on JIT, l'application elle fait un peu n'importe quoi en termes de latence. Vous avez déjà vu ça, hein ? Toutes vos applications, quand on les démarre au départ, ça fait des trucs un peu bizarres en termes de latence. Non, vous rejouez des jeux comme ça, vous êtes en steady state ? Non, vous ne faites pas ça ? Vous attendez juste 5 minutes et puis c'est bon. Les deux marchent. Donc on a un outil qui s'appelle J-Link. C'est quoi l'idée de J-Link ? C'est que je vais pouvoir créer une image, d'accord, spécifique. L'idée, c'est que je vais prendre mon application, je vais prendre le JDK et je vais me créer mon propre JDK. Avec mon application à moi, et que mes dépendances, que celles dont j'ai besoin. D'accord ? Si mes parseurs XML, ils ont un trou, je m'en fous, j'utilise pas de parseur XML. D'accord ? Je suis pas obligé d'utiliser J-Link, hein, c'est si j'ai envie. D'accord ? On change pas à tout Java. Vous avez toujours le droit de livrer des jars, des fat jars, ça marche toujours. Mais c'est basiquement à peu près la même idée que les fat jars. L'idée de « on embarque tout ». Il y a, sauf que là, on fait spécifiquement pour une plateforme. Donc, on a un outil qui s'appelle J-Link. Le gros intérêt de J-Link, si on regarde, c'est que comme on connaît tout, bah, au moment où on lance J-Link, on peut faire tout un tas d'optimisations. Puisque là, on sait toutes les classes qui existent. On sait tout plein de choses. D'accord ? Notez, il y a une petite carotte pour J-Link. J-Link ne marche pas avec les modules automatiques. Ça marche qu'avec les vrais modules. Parce que si vous, les modules automatiques, ils peuvent accéder au ClassPass. Donc le monde n'est pas clos. D'accord ? Alors ça tombe bien, en fait, ASM6, il est déjà modulaire. Donc mon exemple, il marche toujours. Je vous ai menti en disant qu'il n'était pas modulaire.
Donc je peux lancer JLink, indiquer tous les modules. Notez que je dois rajouter aussi les modules de Java Home. Alors, je vais prendre les modules et du JDK et de mon application et tous les mettre ensemble. Enfin, pas tous les mettre ensemble. Il va suivre les dépendances et prendre que ceux qu'il faut. D'accord. Je vais lui dire les modules de démarrage pour qu'il puisse suivre la suite. À noter que j'ai besoin de lui indiquer le module service parce que comme j'ai le chargé dynamiquement celui-là, d'accord, il ne peut pas le savoir s'il veut. Je mets strip debug parce que par défaut, il vous ajoute des informations de debug et ce n'est pas très intéressant dans le code, à part si vous débuguez. Et là, je crée un launcher. Ça veut dire que ça va me créer automatiquement un exécutable pour exécuter mon programme. C'est le nom, là, je l'appelais module tout. Et après, c'est le nom de du module correspondant. Alors, c'est pas un vrai exécutable si vous regardez. Sous Windows, c'est un vrai exécutable. Sous Linux, c'est un pauvre bash. Mais il y a de l'idée. L'idée, c'est qu'à la fin, ça soit un vrai exécutable. Si j'exécute ça, ça me génère un répertoire image. Et si je regarde mon répertoire image, il ressemble furieusement à ce qu'il y a dans le JDK. Je vais avoir un répertoire bin, conf, lib, release. Dans bin, je vais avoir Java qui tool. Je peux lui dire que je ne les veux pas, ceux-là, si je veux. D'accord ? Et module tools. Notez, vous pouvez, si vous dites que vous ne voulez pas Java, ça ne marchera pas, parce que comme je vous ai dit, sous Linux, c'est un script qui va exécuter Java. Donc ça n'a pas bien marché. D'accord ? Et j'ai plus de jar. J'ai un seul gros truc qui s'appelle modules, là, qui est dans un format que je connais pas, qui a déjà changé plusieurs fois, et qui rechangera, on s'en fout de façon. Puisqu'on livre la machine virtuelle avec pour lire le format, il n'y a pas de problème. D'accord ? Qu'est-ce que ça a fait ? Basiquement, ça a pris tous les modules, et chomp. Le gros intérêt de les mettre ensemble, entre autres, c'est que ça partage les chaînes de caractères. Jar, c'est le format le pire qu'on puisse avoir pour distribuer des choses, puisque c'est un zip qui va zipper chaque point classe. Au lieu de faire un dictionnaire pour l'ensemble des points classes. Parce que les chaînes de caractères entre classes, surtout d'un même package, ça va être quasiment les mêmes. D'accord ? Donc après, je peux exécuter mon truc en faisant image bin module tools et hop, ça exécute mon application. D'accord ? L'intérêt de JLink, c'est que je peux dire ah ben, j'aimerais bien avoir la VM minimale. Et hop, au lieu d'avoir ma VM qui fait 20 MB, elle fait plus que 3 MB. Bon, si vous n'êtes pas sur un Raspberry Pi, ne le faites pas parce que c'est lent. Mais sur un Raspberry Pi, c'est vachement bien la VM minimale. Il n'y a que le premier JIT en fait. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a plusieurs JIT. Donc il n'y a que le JIT rapide, mais avec un code. C'est le même niveau que notre JS en termes de code général. D'accord ? Donc vous n'aurez pas le super code de la mort. Ça correspond basiquement à moins O2 si vous êtes l'équivalent GCC. D'accord. Techniquement, c'est un poil mieux que moins O2. Parce qu'en Java, on sait sur quel CPU on tourne au moment où le JIT s'exécute. Vous n'avez pas remarqué que Java est torché LC actuellement ? Et dans les grandes largeurs. Parce que Java, maintenant, quasiment toutes les boucles, elles sont vectorisées, alors que LC, par défaut, quand on compile, on oublie qu'il faudrait activer des trucs de vectorisation. Et même si on les active, on ne sait pas quelle est la target exacte. D'accord, hein, toutes les plateformes Intel qu'on a là, qui changent tous les ans, an et demi, ils changent la façon de vectoriser. Donc si on n'a pas un truc qui sniffe quel est le processeur au moment où on exécute le code, ben, on fait tourner toujours du code qui est plus lent que ce qui devrait tourner. Juste à cause de ça, Java torche le C. En fait, c'est pas vrai, c'est juste si on mettait les bonnes options, ça marcherait bien. Il faudrait, quand on le délivre, mettre des options différentes à chaque fois. Maintenant, on peut faire un peu mieux que ça, parce que là, finalement, j'ai toujours du bytecode. Mon bytecode, il a été compressé dans un seul format, mais ça reste du bytecode. D'accord ? Je peux utiliser un compilateur ahead of time. Donc, pas un JIT, mais un compilateur qui va, lui, générer directement du code pour un format. Alors, j'ai un léger problème. Le bytecode, en fait, il est vachement compact. Si j'essaye de générer l'assembleur correspondant au bytecode, donc si je le fais sur des programmes normaux, de générer, comment ça marche ? Ça prend un module et ça génère le point .so correspondant. D'accord ?
Si je fais ça sur mes projets normaux, le truc, ça prend un temps monstrueux, enfin, comme quand on fait GCC, hein, c'est le même temps, d'accord ? Et en plus, ça génère un exécutable monstrueusement gros. Parce que c'est un truc qu'on a un petit peu oublié en Java, mais comme on charge que les classes qui nous intéressent à runtime, techniquement, ce qu'on exécute comme code, c'est beaucoup plus petit que si on prend tout le jar et hop, qu'on exécute. D'accord ? Que ahead of time, lorsqu'on installe, on génère le code. Donc il faut faire un petit peu attention. On a deux modes qui existent. On a un mode où on va juste lui dire tu génères le code. D'accord ? Si tu fais de la réflexion, bah, tu sautes dans l'interpréteur. Parce que la réflexion, ça pose un léger problème technique. D'accord ? Or, techniquement, il ne fait pas que ça. Dès qu'on a une exception, il saute dans l'interpréteur aussi. Parce que normalement, vous n'êtes pas censé faire des catch null pointer. Donc, personne ne fait ça. Bon, votre code sera juste lent. D'accord ? On a un autre mode. Ce mode-là, il est un peu plus marrant. Ce mode-là, il est un poil plus marrant. En fait, quand on va générer le code, on va aussi rajouter des informations pour profiler le code. Je sais pas si vous savez comment le JIT marche, mais le JIT demande à la machine virtuelle « La dernière fois que j'ai appelé ce toString-là, là, j'ai été où ?» Comme ça, ça lui permet de faire les if qui vont bien. Et donc, il fait des if et il ramène le code, en fait. Il inline le code. Mais pour ça, il faut que la machine virtuelle, elle profile le code. Donc c'est ce qui se passe dans le mode tiers ici. En fait, le point SO qui est généré, il contient aussi les instructions qui permettent de profiler le code, de se souvenir de quel code on a exécuté, de se souvenir de quelle classe on a vu à quel moment, et ce genre de choses-là pour optimiser. Et donc dans ce cas-là, on peut lancer un JIT derrière. Notez que dans le premier mode, on n'a pas de JIT. D'accord ? C'est purement ce qui m'intéresse, c'est des programmes comme en Go. Le programme, il ne va pas vite. D'accord ? Mais j'ai une latence qui est contenue. Là, ce qu'on essaye, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Que ça démarre vite, mais qu'après, on ait le super JIT qui va utiliser les informations qui vont. D'accord ? Il y a marqué que c'est une feature expérimentale. C'est-à-dire, si vous lisez exactement la doc, il y a marqué dedans, on sait que ça marche sur Java base. D'accord ? Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui bossent dessus, entre autres plusieurs personnes de Twitter, parce que ça les intéresse énormément, et qu'ils ont les compétences. Moi, je suis nul pour ce genre de choses. Donc voilà, je peux compiler, notez que sur les slides, ça va plus vite. Hein. On change de slide et hop, on se retrouve avec plein de points SO, autant de points SO qu'on a de modules. Notez que j'ai mon libjava.base.so hein, de la même façon que j'ai mon libmodultools.main.so. J'ai et ceux de mon application et ceux du JDK, tous ensemble. D'accord ? Par défaut, on est obligé d'utiliser useAOT. C'est pas le mode. D'accord ? Il ne va pas regarder s'il y a les .so par défaut, puisque c'est une feature qui est expérimentale. Toutes les features qui sont expérimentales, on doit avoir un flag pour les mettre. Autre chose, là j'ai mis les librairies comme ça, mais vous pouvez lui dire, va chercher dans libre. D'accord ? Allez, juste pour rire, un petit benchmark. Notez que c'est un benchmark sur mon application Module Tools, qui doit faire pas loin de 200-300 lignes de code. Quand on regarde, il y a beaucoup de dépendances, mais il n'y a pas beaucoup de code écrit. Peut-être un petit millier. D'accord ? Donc, juste des histoires de taille, pour vous donner des ordres d'idées. Le JDK9, juste le JDK9, d'accord, c'est 209 mégas. Décompressé sur le disque. D'accord. Pardon, je suis en train de... On le refait. Ça, c'est les temps d'exécution. On y va, 100 millisecondes. Mon application est petite, donc 100 millisecondes. Et j'ai rien dans les blocs statiques. Si vous vous demandez pourquoi vos applications sont lentes, virez les trucs que vous avez dans les blocs statiques. Les blocs statiques, c'est la... Pour exécuter le truc, il faut que je lise le bloc statique,
pour lire le bloc statique, il faut que j'exécute telle autre classe qui relie le bloc statique et vous avez initialisé toutes vos classes pour rien au départ. D'accord ? Si vous vous posez la question pourquoi vos applis sont lentes, bon, à part si vous utilisez des algos de merde, mais la plupart du temps, c'est des blocs statiques. Donc en termes d'exécution, si j'exécute avec Java 9 et des modules, ça prend 209 millisecondes pour exécuter. Or, qu'est-ce que je fais ? Basiquement, je vais lire un module info.class et je vais le retransformer en module info.java. D'accord ? À noter que lire le bytecode, c'est pas facile. Donc, il y a quand même un gros travail, mais il est fait par la librairie, pas par l'application. D'accord ? Si j'exécute avec JLink, ça va un poil plus vite. En fait, ça va à peu près à la même vitesse. Je gagne un petit peu. J'ai quelques optimisations. Surtout, une des optimisations principales, c'est que quand j'ai fait JLink, il pré-vérifie que mon graphe de module est correct. Donc, je n'ai pas à runtime à vérifier que mon graphe de module est correct. D'accord ? Si je commence à utiliser JLink plus mon truc d'AOT, ah, je commence à descendre à 145 millisecondes. Donc, ça vaut le coup de générer. Surtout que là, c'est un outil en ligne de commande. Donc, un outil en ligne de commande, ça vaut le coup s'il va un peu plus vite. D'accord ? Je vais vous parler donc JLink et LTO, c'est quoi le plus AOT, j'ai pris tout le code et je lui ai demandé de tout générer. LTO, j'ai pris que les classes, enfin exactement que les méthodes qui étaient appelées. Au lieu de prendre mon jar et de le transformer en .so, je lui ai dit tu prends le jar mais tu prends que les méthodes qui sont appelées, tu génères le code. D'accord ? C'est marrant, ça va plus vite de faire ça. Ah oui, les .so, il faut quand même les charger en mémoire aussi. Hein. Plus vos .so, ils sont petits. Ça, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Le linker hein, sous Linux, ça marche bien. D'accord ? Si j'utilise JLink avec les LTO et mon mode tiers, vous savez, mon super mode où je profile l'application, comme ça je vais pouvoir lancer le JIT et j'aurai les meilleures performances. Oh merde, c'est plus lent. Bah ouais, quand je regarde, les JIT, ils n'ont pas eu le temps de se lancer. Donc il a juste profilé l'application qui est plus lent. Et les JIT n'ont pas le temps de se lancer. Donc, c'est pas un mode qui marche bien si vous voulez faire des applications. Enfin, des applications console. C'est un mode qui marche bien si jamais vous avez une application qui va avoir le temps de déclencher le JIT. D'accord ? Donc, maintenant, les tailles sur le disque. Ah, parce que je me disais, c'est un peu petit quand même. Donc, 360 mégas, c'est la taille du JDK 8. 480. 7, c'est la taille du JDK 9. Pourquoi ? Bon, en fait, parce qu'on l'a deux fois, JDK. Si on regarde. On a les classes deux fois. Le JDK, quand il est packagé, il utilise JLink. Donc, il va utiliser mon module super contraint, là. Mais comme le JDK, il vous permet aussi d'utiliser JLink, il livre aussi les trucs sous forme de jar pour que vous puissiez utiliser, vous, JLink. Donc finalement, c'est livré deux fois. Une fois sous forme de JLink et une fois sous forme de jar. Alors techniquement, ce n'est pas des jars qui sont utilisés, c'est des JMOD. La différence entre les jars et les JMOD, c'est juste qu'on a le droit de mettre du code natif. Donc c'est du jar avec des codes natifs. Parce qu'on ne peut pas mettre du code natif dans les jars, ça ne marche pas. D'accord. Actuellement, le format JMOD n'est pas spécifié, il devrait être fini d'être spécifié dans pas longtemps. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit de créer vous-même des JMOD. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des bugs. Donc, des bugs. C'est pas prêt encore. Alors, la partie qui n'est pas prête, c'est la partie signature pour vérifier que c'est bien les bons. C'est bien les bons trucs. Si j'utilise JLink, je me retrouve avec un exécutable qui fait 67 mégas. C'est intéressant. Bah oui, tu vas utiliser tout le JDK, donc forcément c'est plus petit. D'accord ? Notez que c'est quand même assez gros, hein, puisque j'embarque le compilateur. Et j'embarque aussi ASM, deux trucs qui sont pas. Surtout le compilateur est très gros. D'accord ? Parce que même si mon outil utilise que le front-end du compilateur, hein, mon module, c'est tout le compilateur. D'accord ? Si j'utilise JLink et l'AOT, ça veut dire que j'ai généré les points SO correspondant à mes points JAR. Ah, 475 mégas, bah oui. Mes points SO, ils sont gros.
D'accord. Si j'utilise JLink et que je lui demande de générer uniquement les, dans les points SO que les méthodes qui sont utilisées, alors là c'est intéressant. Je tombe à 161 MB. C'est quand même gros. Hein. D'accord. Parce que même si j'utilise que le front de mon compilateur, bah c'est quand même un compilateur, c'est quand même compliqué de passer du Java. D'accord. Si j'utilise donc, si je rajoute les informations pour que mon JIT puisse se déclencher, on a vu que ça ne servait à rien. Mais si je rajoute les informations, on voit qu'il est plus gros. D'accord. J'ai quand même quasiment une trentaine de megs au niveau de mes points SO juste pour profiler l'application. Un profiler l'application, ça coûte 5. Notez que c'est un des trucs qui est bizarre en Java. On dit en Java, l'interpréteur, il est lent. Mais ce n'est pas que l'interpréteur, il est si lent que ça. C'est aussi dû au fait qu'il profile le code. Que l'interpréteur profile le code. D'accord. La taille sur le disque la plus petite qu'on puisse obtenir, c'est si j'utilise la VM minimale. D'accord. Avec JLink, j'attends les 40 MB. Hein, basiquement, la différence entre 67 et 40, là, c'est juste ma machine virtuelle qui est plus réduite. Par contre, c'est pas super génial parce que je perds tout l'intérêt de Java qui est tous mes outils de débugage qui à chaud vont aller se connecter sur le truc, ils marcheront pas. D'accord. Donc en récapitulatif, le but de Jigsaw c'est quoi? Bah, c'est de fournir une configuration qui est la même à la compilation et à l'exécution. Basiquement, on a rajouté à l'exécution le fait que la machine virtuelle sache que c'est que des modules. D'accord. C'est quoi un graphe de dépendance? La machine virtuelle maintenant sait. L'idée, c'est qu'on peut downsizer la taille des exécutables. Là, on le voit, moi j'ai un exécutable qui fait 67 mégas au lieu de je ne sais plus combien. D'accord. Juste parce que bah, je ne prends pas les dépendances qui ne m'intéressent pas. Entre autres, les dépendances du JDK. D'accord. Pensez que c'est valable pas que forcément que pour le JDK. C'est valable aussi pour Swing et ainsi de suite. Spring et ainsi de suite. D'accord. J'ai une encapsulation qui est bien meilleure. Je ne peux plus accéder au package internal. Mais ça va faire planter votre application. Alors techniquement pas vos applications, parce que je sais que vous programmez bien, mais les dépendances de vos applications. D'accord. L'autre chose, c'est que avec cette histoire de module, bah, j'ai JLink. J'ai cette histoire de mon monde, il est clos. D'accord. Et si mon monde, il est clos, alors je peux faire des optimisations. Notez qu'actuellement, tous les trucs que je vous ai montés en termes de vitesse, il n'y a aucune optimisation qui est faite sur le code qui est généré. D'accord. Le code qui est généré ne fait même pas d'inlining. Pourquoi? Parce que vous avez vu la taille déjà du truc. D'accord. Donc toutes ces le fait de dire maintenant je vais commencer à essayer d'optimiser Java mais ahead of time, d'accord, ça prend un certain temps avant que ça arrive réellement, avant qu'on sache qu'est-ce qu'il faut optimiser, qu'est-ce qu'il ne faut pas optimiser. Hop. Donc le code est disponible là. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Tous les packages sont exportés.